Showtime. Yo tout le monde, c'est Azeki, on se retrouve pour une petite vidéo astuce. Comme mes abonnés le savent, je le fais assez régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout activer la petite cloche pour être au courant en temps et en heure de toutes mes astuces. Sur ce, on va passer directement à la vidéo, mais d'abord juste, n'hésitez pas à liker non plus, hein, j'oubliais. Enfin voilà, les gars, trêve de plaisanterie, le mode de jeu que j'ai choisi pour cette astuce, c'est 20 contre 20. Pourquoi 20 contre 20? Parce que tout simplement, le spawn des coffres est augmenté en 20 contre 20. Donc en gros, quand vous allez dans une ville, en général, le coffre apparaît à certains endroits et de temps en temps, il n'apparaît pas à cet endroit. En fait, le taux de pourcentage de chance dans ce mode de jeu a été augmenté, de chance de voir le coffre. Et donc voilà, ça rend le défi un peu plus facile. Et en plus de cela, si vous êtes la team la plus proche de Salty Springs, vous êtes déjà sûr et certain qu'il n'y a que 20 personnes qui peuvent aller à Salty Springs. Parce que les autres teams, forcément, sont un peu plus loin, donc elles ne vont pas choisir Salty Springs comme ville de loot. Et donc, voilà, donc il y a 20 personnes qui seront avec vous. En général, les 20 alliés qui seront avec vous ne choisiront pas Salty Springs, hein, qu'on se le dise. Donc voilà, moi je me suis retrouvé tout seul et j'ai pu faire mes coffres tranquillement. Donc j'espère que je vous aurai aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous avez besoin de dire quelque chose. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao tout le monde!